Si ahí da celular con problema personal dundono. Cono filamo golon celular en gene la mude. Si ahí da celular le dun wana problema be. Wana problema la gine nani. Ko woni problema. Ko celular en la mi ke celular le golle ka la gine. Fi la gine yawo yeso. Ko do woni problema membe. OK? Ko do woni problema celular le. Joni no si an. Ahí da ka celular le ko problema. Ah, si se lo da la buena anima algo. Ya uno y na se lo dele. Aboni dundo. Dunco problema. Ko wani problema la guineo. Ko yo selu la mi ke selu golu. Selu golai, selu golai. Selu namari, namari, namari golle. Selu dale namari golle. Achu, achu selu dale yahu e golu. Ede me de fala golu de. Muntan wama wali fe. Selu dale ya fe kabara. Aliye selu dale toya ye wa baraka. Ah. C'était un petit avant-goût. Mes guerriers, j'espère que vous allez très bien, très très bien. Voilà. Je salue tout le monde. J'envoie bisous et plein de cœur à tout le monde. Je vous adore, je vous adore, je vous adore. Je suis là juste pour vous rassurer de plus en plus parce que je ne peux pas vous abandonner. Imaginez si la guerrière recule, les éléments vont avoir peur. Hier aussi, je suis sortie parce que je vous ai vu que vous étiez sans certitude. Soyons rassurés, moi mon cœur est dans la paix totale, comme je l'ai mis en titre. Moi ce qui est dans mon cœur là, c'est ce que j'écris en titre. Ce qui est dans mon cœur, c'est ce que je dis dans ma vidéo. Je vais un peu approcher ça. Voilà. Je suis à la maison tranquille. Je me sens comme si j'étais déjà en Guinée, je me sens dans l'insécurité et tout, vous voyez, non? Donc, c'est ça, je vous dis, vous aussi restez à la maison là-bas, ne sortez pas. Quand tu sors là, c'est là que tu vas croiser avec le diable. C'est là que tu vas croiser avec les balles perdues. Restez à la maison. En tout cas, il n'y a pas de sécurité à l'heure là. Rappelez-vous qu'on n'a même pas, on a pas de président au trône. On n'a pas encore de président sécuritaire. On a déjà un président. La Guinée n'est pas sans président. Hein. Moi, j'aime préciser, mettre au clair les choses. La Guinée a bien sûr un président qui est l'âge Selouda Le Diallo. Et puis, par mérite, par l'alternance, par la volonté du peuple. On n'a obligé personne, on n'a pas obligé le peuple à aller voter pour celui d'aller hier. Les campagnes sont normales, mais on n'a pas obligé. Moi d'ailleurs, dans toutes mes campagnes, j'ai dit, vous qui voulez partir voter, c'est celui d'aller, partez voter pour lui. C'est lui le meilleur. Je vous ai fait savoir que c'est lui le meilleur. Mais aussi, je vous ai toujours dit, j'ai dit, les personnes qui ne veulent vraiment pas celui d'aller, vous pouvez partir voter pour les 10 autres candidats. Mais on a remarqué, la majorité ont voté pour Selou Dalé. C'est parce que, voilà, tout le monde vraiment a compris. À part les éveils de conscience, à part la campagne, tout le monde a vraiment compris, corps et âme. Les souffrances d'Alpha Condé suffisent à tout le monde, largement même. On est parti massivement voter Selou Dalé. Ce n'est pas de la faute du peuple, mais c'est de la faute d'Alpha Condé lui-même. Mais c'est la loi. C'est ce que notre constitution nous demande de respecter. Si un président vient déshonorer notre constitution, nous le peuple, on vient lui montrer que nous, on respecte notre constitution. Notre constitution n'est pas une prostituée. Tu viens, tu la violes comme tu veux. Toi, tu viens, tu la violes comme tu veux. Non, non, non. Si toi, tu n'honores pas notre constitution, nous, on l'honore. On est venu, on lui a dit ça. Le peuple a mal sanctionné aux urnes. Les résultats sont sortis. Maintenant, ils sont là, ils ont bloqué la CENI. La CENI ne parle pas. Quant à vous, pourquoi la CENI ne parle pas? Pourquoi depuis tout ce temps-là? Ils nous prennent pour des dingues ou bien pour qui? Moi, je ne comprends pas. Et puis, il y a une chose que je dois vous préciser là. Leurs 10 ans sans force là, leurs 10 ans de fausses promesses là, leurs 10 ans vraiment de mal gouvernance là, de mal gestion là, ça a joué sur eux. Hein? Mais aussi pour venir finir, pour venir clôturer. Pour clore l'affaire, la technologie aussi ne s'est pas oubliée. La technologie aussi a mal joué son rôle. Vous savez, autant de feux Ahmed Sékou Touré, autant de Lassana Conté, jusqu'en 2010 même, au début du pouvoir d'Alpha Condé, il n'y avait pas encore la technologie assez développée. Donc, ils faisaient leur magouille, les résultats des élections étaient violés, étaient marmaillés. Était fait n'importe comment, et puis ça restait comme ça, hein?
Il n'y avait pas la technologie, il n'y avait pas des téléphones là avec lesquels on filmait tout, on prenait toutes les photos et puis on postait. Voilà, il n'y avait pas vraiment la scientification qui était là, les ordinateurs connectés, on a le contrôle de tout. Tu as à Conakry, tu as le contrôle des élections qui se passent à Zérékoré, par exemple. Il n'y avait pas tout ça. La technologie n'était pas assez développée. Et là, nous sommes en 2020. En 2020, il y a la technologie qui est assez développée avec une génération tranchante comme nous, avec une génération pas froide aux yeux comme nous. Je vous ai dit, ça révolue même dans les petits villages du monde, ça révolue partout, dans tous les pays, ça révolue en Guinée. Ne pensez pas que la Guinée de 2010, c'est la Guinée de 2020. Je vous ai toujours dit, j'ai dit 10 ans de souffrance, mais quand même, ça a lavé nos cervelles. 10 ans de souffrance, 10 ans de conscientisation, 10 ans de souffrance, 10 ans d'ouverture des yeux. Nos yeux se sont quand même ouverts. Hein? On dit toujours dans la vie, là, si tu ne deviens pas géant, tu deviens court. Hein? C'est un adage dans mon dialecte, en Kpelewo, on dit Manoué la wakara kunuba, awarakoya akwo. Manoué la wakara kunuba yo. Akakwakwara bokakwo monomi. Gwaraboti monenti mwe kwa kuye hemu yo. Hoga, horohumamani katika kanakume. Kira kunyina abo. Kwaraboko monomi, kwaraboko nyina abo. Yilba dikiyama yi Manoué la wakara kunuba. Akakwo yene nyani horobolu. Kopele ga horobolu, kokono nere horobolu. Lila kwara 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 zorobwe. Kira ku kiri nyamwe ya kuro kunyi na nyamwe ya bo kame menu nyamwe kwa ma kwa kwa kiri horobo kwa kiri horobo nunga kpokpo no enye wari ka die kwa du kuro nunga kpokpo ki aba no enye ko wa kwa du kuro ha kwa bo ko ye ne nyane horobo kira kwa kiri horobo menu we da kwa kunu ba awara kuya apo voilà ce qui comprennent bien le paléo l'ont très bien su ce que j'ai dit. C'est un adage très intelligent. Et puis tu parles bien foulard. Grand frère, Loua Daïkana, lui c'est mon grand frère de cœur. Voilà, lui c'est mon grand frère de cœur. Assez de cœur pour mon grand frère. Merci d'être là, mon big grand frère. Toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Il n'y a pas match, il n'y a rien en face. Tu fais ça, bisous là-bas. Voilà. Et je vois tous mes guerriers, mon peuple, toujours prêt pour moi. J'ai dit, je suis dans le cœur de mon peuple. Mon peuple aussi est dans mon cœur. Ah, c'est ça mon plus gros salaire. Les gens qui vont dire que je me bats au hasard, je me bats à l'air, là, moi, je suis une folle, là. Venez voir maintenant comment je suis honorée. Moi, ma réputation, c'est ce que je protège, c'est ce qui est là. Là où je parle aujourd'hui, je suis honorée. On m'écoute quand même par rapport aux gens qui ont vendu leur dignité, par rapport aux gens qui ont trahi le peuple. Aujourd'hui, là où ils parlent, tout le monde les chuchote. Là où il parle, tout le monde dit, oh, qui devant nous, regarde-moi le traître là, toi qui nous as trahis ici, toi avec qui on a commencé le combat des FNDC, et puis tu es venu nous trahir, tu es parti rejoindre la mouvance, oh, qui devant nous. Je ne suis pas de ce genre de personne, et je ne le serai jamais. Ma plus grosse peur, c'est ça. Ma plus grosse peur, c'est de perdre ma dignité, c'est de perdre ma réputation, c'est d'être déshonoré par le peuple qui m'a honoré tant hier. Oh, ça jamais, je peux rester pauvre. Je peux rester tout ce que je peux ne pas manger. Je peux ne même pas avoir le prix de l'eau glacée. Mais là où je passe, que je sois honorée. C'est ça, moi, ma lutte. Et je me battrai toujours pour ça. Ma dignité, ma dignité, ma dignité. Tu peux me tuer, mais tu ne m'enlèves pas ma dignité. Montre-moi des zéros. Montre-moi des dollars. Je m'en fous. Je veux ma dignité. C'est ça. L'homme, c'est la dignité. L'homme, c'est la dignité. Je suis une femme de dignité, une femme de conviction. Quand je dis je suis dedans, je suis dedans. Lorsque je ne débute pas, je ne termine pas. Mais quand je débute, je termine. J'ai commencé le combat des FNDC, je l'ai terminé. N'êtes-vous pas fier de moi? N'êtes-vous pas fier de moi? Hein? N'êtes-vous pas fier de moi? Si oui, vous êtes fier de moi parce que j'ai commencé, j'ai terminé. Mettez assez de cœur pour moi. Mettez assez de cœur pour la LGCPP. Je suis aussi très fière de vous parce que vous ne m'avez pas trahi. Vous m'avez soutenu dans le combat. Vous m'avez montré que oui, nous sommes sur le même chemin. Oui, nous avons la même volonté. Ok, nous avons la même vision. Nous avons le même objectif à atteindre. À chaque fois que j'étais motivée, vous veniez, vous terminez ma motivation. À chaque fois que je voulais me décourager un tout petit peu, vous étiez là, la guerrière, allons-y, on est derrière toi. On apprécie ce que tu fais. Vous m'avez toujours encouragé. Je suis aussi très fière de vous. Et si vous-même, vous êtes fière de vous, assez de cœur pour vous-même. Mettez assez de cœur pour vous-même. Assez de cœur pour vous-même. Parce que vous êtes déterminé.
Moi, j'adore des gens déterminés. J'adore des compagnons de guerre déterminés. Les gens avec qui je ne vais pas arriver au milieu du combat et puis ils vont me laisser, tu sais quoi, Annie? On abandonne. On abandonne. Oh, ça me fait très mal. Champion, pourquoi on va abandonner? On est déjà proche de la victoire. Pourquoi on va abandonner? J'adore les gens avec qui je débute le combat, je poursuis et puis je termine. On termine, on se fait big up, on a gagné. On célèbre la victoire. C'est ça qu'on appelle des êtres humains, quoi. C'est ça qu'on appelle des femmes. C'est ça qu'on appelle des femmes, des hommes. Regardez ça. Tu commences, tu termines. Tout le monde entier t'applaudit dans la dignité, dans la vérité, dans la sagesse, dans l'intelligence, dans le respect d'autrui, dans la franchise, dans l'audace. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, cette année, à part leur mal gestion, non seulement ils ont mal pris le pouvoir durant les 10 ans, ils n'ont rien foutu. Il y avait ça. Et aussi avec la technologie les a vraiment... ils ont été foutus par la technologie. Ils ont été vraiment très foutus. RPG a été foutu. La technologie a eu la RPG. La technologie a mal eu RPG. Parce que s'il n'y avait pas de technologie, on n'aurait pas les résultats là. Donc franchement, merci à la technologie et aussi leur malgestion. Leur malgestion, le fait que le peuple a compris. Alors à ce niveau, je dirais merci au peuple qui a compris. Merci au peuple qui n'a pas été têtu. Merci au peuple qui a pris son destin en main. Je suis fier du peuple de la Guinée parce que le peuple a pris son destin en main. C'est ainsi que je vous reconnais. C'est ainsi que je reconnais le peuple de Guinée. Mais lorsque vous faites ma défaite, lorsque je ne vous reconnais pas, lorsque vous êtes là, vous souffrez, mais c'est vous encore qui montrez genre, vous ne souffrez pas, c'est vous encore qui êtes là derrière les petites miettes, c'est vous encore qui êtes là facilement, on est là à vous corrompre, c'est vous encore qui êtes là des prostituées politiques, c'est vous encore qui vous faites des prostituées politiques, ça décourage. Mais là, je vois que le peuple a vraiment pris son destin en main. Le peuple a pris son destin en main. Le peuple est parti sanctionner RPG. Le peuple a mal sanctionné Alpha Condé aux urnes. Ah là là là, il faut que tu détestes le peuple de Guinée, c'est là que tu ne vas pas le féliciter. Il faut que tu aies une haine personnelle contre le peuple de Guinée, c'est là que tu ne vas pas le féliciter. Mais là là, je vous félicite. Félicitations peuple de Guinée, félicitations. Vous avez fait notre fierté. Vous avez sanctionné Alpha Condé aux urnes. Dans tous les bureaux de vote, vous avez mal sanctionné Alpha Condé. Vous l'avez mal chicoté. Le coup fatal qu'il avait contre nos peuples, contre notre victoire, on lui a reversé le coup fatal là. On lui a retourné le coup fatal là. Il a mal reçu le coup fatal. Où il est présentement, ça ne va pas. Il est en coma. Alpha Condé est en coma. Il est en coma. Il n'entend pas, il ne voit plus, il n'écoute rien. Il ne sait pas ce qui se passe, il est comme ça. Munkeni. Il est milité. Munkeni. Aya nyafonye. Hein? Kasori fofana mukeni, anya fonye. Ala nye mukeni. Nte fonya lolate. Je n'ai rien compris et puis c'est tous. C'est ça il est en train de dire à l'instant. Il est en train de demander Kasori fofana que Kasori fofana n'a qu'à lui donner des explications. Il n'a rien compris, il est en coma. Vraiment. Il n'a rien compris et moi je lui avais toujours dit, je dis vous n'allez même pas voir, vous n'allez pas comprendre ce qui va se passer. Vous n'allez rien comprendre du peuple. De toute façon, le peuple va vous dribbler. De toute façon, le peuple va vous trahir. De toute façon, le peuple va prendre son destin en main. Pendant que vous croyez que vous l'avez déjà corrompu. Pendant que vous croyez qu'il est mouton. Pendant que vous croyez qu'il n'a rien compris durant vos 10 ans de mal gestion là. Ah, vous serez déçus. Vous n'allez rien comprendre. Vous n'allez rien comprendre du geste du peuple. Vous n'allez rien comprendre de la réaction du peuple. Je lui ai toujours rassuré ça. Et voilà où on est arrivé. À l'instant T, il est en coma. Alpha Condé est en coma, il ne comprend rien. Il est en train de demander à Kasori Fofana, à Papa Koli Kourouma, à Domani Doré, de l'expliquer ce qui se passe. Mais en réalité, il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Maintenant, ils ont eu à tenir un discours là. Je ne sais pas si je vais le retrouver dans mon téléphone là. Parce qu'il y a certaines choses qui sont ici et certaines sont... Ah, c'est ici. Je vais vous faire écouter. Hein. Je vous explique. RPG, je ne sais pas si certains ont déjà vu ça, mais néanmoins, vous allez voir. RPG tient maintenant une conférence où, comme ils ont eu honte là, ils n'ont plus de mots. Quand tu as honte là, tu n'as plus de mots. Donc, ils disent maintenant que pourquoi Celuda Le Diallo a fait
une autoproclamation, il s'est autoproclamé vainqueur, mais de ce côté-là, je dis, Solodal a raison. Pourquoi vous retardez comme ça? Combien de temps? Pour des simples résultats de vote, pour des simples résultats électoraux. Combien de temps? Pour des résultats, un résultat, des résultats électoraux. Si on doit dire comme ça, là, je ne suis pas française, hein, je vous ai dit la vérité. Quelquefois, je vais mal blesser le français. Ça va saigner, le sang va même couler. Mais voilà, je ne regrette pas tellement. Parce que là, c'est difficile le français, très difficile. Donc, les résultats électoraux, si je dois dire. Un résultat électoral, voilà le résultat, point barre, bref. Donc, pourquoi un résultat électoral va durer comme ça? Pourquoi? Combien de temps? Je vous dis à temps normal, à l'absence de la marmaille, à l'absence de la corruption, à l'absence, comment je vais dire, de manigances, à l'absence des manigances, à la présence de la transparence, à la présence de l'honnêteté. Si vraiment l'honnêteté et la transparence étaient au rendez-vous, si l'honnêteté était au rendez-vous chez la CENI, les résultats là seraient déjà proclamés depuis hier à partir de 21h de la Guinée. Mais depuis hier, les gens ont voté du matin bonheur jusqu'au soir. Ils ne proclament pas les résultats. Si Solodal reste assis maintenant là, il les attend jusqu'à eux-mêmes, ils viennent proclamer. On ne souhaite pas, mais si par hasard, la CENI arrive à proclamer Alpha Condé comme vainqueur, et que Solodal en ce moment décide maintenant de dire « Ah non, je suis contre ceci. » Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire « C'est parce que Solodal a échoué, il a honte, il a eu honte, il a reçu le coup fatal, c'est pourquoi il s'oppose. Ah, c'est fini et c'est fini. C'est fini et c'est fini. » Donc, pour commencer, Solodal n'a pas été pressé. Hein? Moi-même, je ne vous ai pas dit ça dans mon direct avant-hier. Non, moi je vous ai dit « Je n'oublie pas mes faits, juste. Hein? J'ai ma neurone très bien en place. Je mange très bien, je consomme des fruits. » Je suis très jeune, j'ai mes 25 ans. Je ne parle pas et puis j'oublie, on dirait un vieux ou bien une vieille femme qui a Alzheimer. Je n'ai pas Alzheimer. Hein. Quand je parle là, je retiens. Tous mes titres que je mets là, j'ai tout en main. J'ai tout en main. Voilà. Avant-hier, j'avais dit ça. J'ai précisé là où j'ai dit Alpha Condé n'ira pas dans la douceur, sinon que dans la force. C'était ça mon titre. Et dans mon direct, j'ai eu à dire, à conseiller au président Solodal Diallo. Moi-même, je dis. J'ai dit, il ne faut pas, le président va s'autoproclamer. Parce que ce sont des pièges qu'ils sont en train de chercher. J'ai dit, lorsqu'il va faire cela, RPG va prendre ça comme un gros problème. À temps normal, ce n'est pas mauvais. Parce que c'est ce qu'il y a sur papier. Mais ils sont en train de chercher petit trou seulement. Petit piège seulement va tomber dedans. Ils vont essayer de nous emballer des problèmes, de chier sur nous, quoi. Parce qu'ils se connaissent déjà perdants. Je vous ai toujours dit, j'ai dit, un perdant a le cœur très chaud. Un perdant a le cœur très chaud. Parce qu'il a déjà perdu, il n'a plus d'espoir. Donc, un perdant, lui, il cherche toujours à gâter le reste. Il se dit, j'ai déjà perdu, j'ai perdu. Qu'est-ce que j'attends? Je fais un dégât, on perd tous. Je me reconnais déjà perdant, perdante. Donc, je fais un dégât, je gâte tout, je bleuverse tout. Nous tous, on va perdre ensemble. Si j'ai perdu, toi aussi, tu vas perdre. C'est toujours comme ça. C'est toujours la réaction d'un perdant ou d'une perdante. Lorsqu'on a perdu, on n'a plus d'espoir, on n'a plus bon cœur, on n'est plus doux, on n'est plus démocrate, on n'est plus patriote. On n'aime plus le bonheur des autres lorsque nous, on est déjà vaincu, on est déjà perdant. Est-ce que vous me comprenez? Donc, Alpha Condé se retrouve dans une situation perdante, dans une situation où il est totalement vaincu, dans une situation où il n'a plus de mots. Il n'a plus de mots face au peuple, il n'a même pas de mots face à la communauté internationale. Il n'a même pas de mots face à son adversaire Solodal. Il va dire quoi? Dites-moi. De vous et moi, Alpha Condé va dire quoi? C'est pourquoi vous voyez même jusqu'à là, il ne prend pas le micro pour parler. La CENI n'arrive pas à parler. Donc leur unique argument qu'ils ont trouvé, Jean-Co, pourquoi Solodal s'est autoproclamé, ça c'est contre la loi, ça ne se doit pas, et ceci et cela. Mais je dis et répète que ça soit clair, Solodal n'a pas été pressé à s'autoproclamer. Non. Solodal n'a pas été pressé. Depuis hier matin, on a commencé les votes. Jusqu'à dans les 24 heures. Est-ce que vous avez vu Solodal parler? Solodal s'est autoproclamé il y a combien d'heures? Quand tu vérifies, il y a juste 5 heures de cela. Et cela, c'est par rapport au retard. C'est par rapport au retard. Et le contenu du retard. Hein? Le contenu du retard. Ils ont commencé à nous dire que les résultats vont sortir dans 72 heures. Ils ont commencé à nous dire que nous allons partir au second tour. Vous voyez des choses comme ça?
C'est d'ailleurs des pics qui lancent à Saloudali. C'est d'ailleurs pour salir la victoire de Saloudali. Je vous ai dit, je vous le répète. Si vous voyez que je répète les choses, c'est que cette chose est importante. Si c'est RPG qui était à la place de UFDG, qui avait le pourcentage de UFDG, Jean RPG 58,77% et UFDG 38,40%. Vous, vous pensez que RPG allait partir à deuxième tour? RPG allait partir à deuxième tour? Est-ce que RPG ne serait aussi pas pressé de lancer sa victoire? Hein? Alpha Condé ne serait déjà pas là, il a rempli sa page Facebook en train de dire, de faire ça encore. Victoire validée. Le coup fatal. Et on allait voir des photos. Alpha Condé a fini de remplir Facebook comme ça, avec ses dents comme ça là. Si c'est lui qui avait gagné. Vous alliez voir ces bambins, les blogueurs que j'appelle toujours maudits là. Les blogueurs maudits des RPG là. Vous alliez les voir. Le coup fatal est reçu. Vous alliez même voir même les lieux en train de brûler. Parce qu'ils sont toujours violents. Ils sont contents aux violences. Ils sont fâchés aux violences. Vous alliez voir en train de fêter maintenant dans la violence en Guinée. Ils allaient être en train de fêter dans la violence en Guinée. Maintenant, vous alliez voir les lieux qui sont enflammés. Vous alliez les voir en train de je ne sais pas, faire du n'importe quoi. Insulter sur les réseaux. Vous alliez les voir sortir, faire des vidéos pour encore lancer des injures de mère et père. Mais ce serait ça. Si c'était, si on était dans la victoire d'RPG comme ça, ça allait chauffer. Ça allait chauffer. Ils allaient mal agir. Ils allaient mal chier, comme les Ivoiriens le disent. Ils allaient mal chier en Guinée, comme dans, sur les réseaux. Si on était dans la victoire d'RPG comme ça, oubliez ça. Mettez ça de côté. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui allait se passer. Ils allaient mal chier à l'intérieur du pays et sur les réseaux. On allait qu'écouter des injures par-ci et par-là. Des moqueries par-ci et par-là. Mais effectivement, c'est parce que la victoire, franchement, c'est de UFDG. Regardez leur calme. Même leurs blogueurs, leurs activistes, tout est mou. Ils n'ont pas de mots. Ils n'ont pas de mots. Ceux qui veulent, ceux qui viennent jusque-là, ceux qui continuent de poster là. Hein, les activistes, les blogueurs maudits des RPG qui continuent de faire les injures là. Ce sont des gens, c'est ça, Ivoirien dit, ton caleçon est gros mais il n'y a rien dedans. Moi j'ai beaucoup de mots Ivoiriens. Vous voyez, c'est ça je vous dis, je suis multiculturel. Je n'ai jamais été en Côte d'Ivoire. Je ne connais même pas la Côte d'Ivoire, je vous le jure. Je rêve même, je dis le jour que je pars en Guinée, je vais aller terminer mon voyage en Côte d'Ivoire pour connaître. Je ne connais même pas la Côte d'Ivoire, mais j'ai assez de mots Ivoiriens. Je les capte seulement. Je les capte seulement sur les réseaux et partout comme ça. C'est comme ça mon cerveau est. Je m'adapte à tout. Bref. Voilà. Donc, c'est ça, Ivoirien dit. Ton caleçon est gros, mais il n'y a rien dedans. Les blogueurs maudits des RPG que vous voyez jusque-là, malgré leurs défaites, malgré on a fermé leur bouche, ils continuent de venir insulter. Ils continuent de venir se montrer gens, ils ont la victoire. Ils continuent de venir se montrer gens, ils ne sont pas touchés là. Ce sont des gens, leur caleçon est gros, mais il n'y a rien dedans. Leur caleçon est gros, mais en réalité, il n'y a rien dedans. Ok? Ce sont des gens, leur simple bouche, ils pensent qu'ils peuvent intimider les gens, quoi. Ils pensent qu'ils peuvent intimider les gens. C'est une intimidation. C'est exactement ce qu'on appelle de l'intimidation. Les maudits blogueurs des RPG qui continuent de poster, qui continuent de se taper les poitrines là, ce sont des gens qui veulent intimider. Et ils vont intimider qui? Seuls ceux qui n'ont pas compris. Seuls les analphabètes. Seuls les non-civilisés. Seuls les non-démocrates. Seuls ceux qui ne connaissent pas la vie, seuls ceux qui sont vraiment enfoncés dans la brousse, qui ne voient même pas la lumière, seuls ceux qui sont dans le noir. Mais quelqu'un comme moi, il ne peut pas m'intimider. Quelqu'un comme moi, mon peuple, mes guerriers, il ne peut pas les intimider. Donc restez sereins. Restez sereins. Que même les publications des blogueurs maudits des RPG là, ceux qui continuent de faire leur pic, qui continuent de lancer là, genre on va faire ceci, hey, tout ceci là, que ça ne vous dit rien. Ce sont des intimidations. Ces gens-là, ils sont là pour intimider. Au fond d'eux, ils sont en train de pleurer. C'est quelqu'un qui vient, qui est en train de pleurer. Il a mouchoir à main en train d'essuyer. Mais comme c'est Facebook-là, il prend son téléphone, il poste, il est là à poster, il se montre, genre, on est vainqueur, je suis trop garçon, les UFDG, vous êtes comme ça, c'est le dernier, tu es comme ça. Il écrit, papa, il lance. Vous ne savez même pas où il est. Il est en train de pleurer. Son corolle, il a déjà dit, calme-toi, mais il ne fait pas cas. Corolle, il a déjà dit, on a perdu, mais il ne fait pas cas. C'est exactement ça le cas de ces blogueurs maudits là. Regardez-les, les laissés, ils sont en train de pleurer. Mais c'est Facebook. Tu vois seulement ce que l'autre a posté. Tu ne vois pas son visage. Tu ne vois pas son visage. Donc si un maudit blogueur des RPG vient aujourd'hui insulter la maman de Saloudali, vient dire que c'est faux, que c'est eux qui sont vainqueurs. Toi étant un peuple de l'alternance, tu vas voir ça, tu vas dire, hey, on n'a pas dit, on a gagné. Mais ils ont dit que Saloudali a gagné, mais voilà,
voilà, blogueur là, de RPG, il vient de poster, il a posté qu'ils ont gagné. Hé, hey, ils sont en train d'intimider. Oh, derrière l'écran là, derrière son poste là, il est en train de pleurer. Tous les maudits blogueurs là sont en train de chercher comment sortir du pays. Seulement, je vous dis. Oh, c'est l'Odal est vainqueur. C'est l'Odal est 100% vainqueur. Écrivez ça dans votre paume gauche. N'écrivez pas ici parce que vous allez manger avec ça, ça va partir. Soyez tranquille. Restez en paix. Soyez à l'aise. On a la victoire, on a le pouvoir. Ils n'ont qu'à juste donner les clés de ces couturiers et puis on va quitter ici.